Salut, moi c'est Simon Chenard, guitariste. Salut, moi c'est Raphaël Parent, bassiste. Moi c'est Jeff Lauer, vocal de Confined to Oblivion et vous écoutez Oh Show! Je fais un semi-retour avec Onchuck. Je suis vraiment content d'être ici parce que là, on est né à Québec. À la place de Québec qui s'en va vers Montréal, c'est Montréal qui s'en vient vers Québec parce que Confined to Oblivion, qui est avec moi, se font tatouer chez Creative Custom Tattoo, qui est mashup. Un petit bouchon Black Label, super cool les boys. On va savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe parce qu'ils viennent de lancer leur premier single qui s'appelle The Cycle, le même nom que leur EP qui va sortir très bientôt. Je suis avec Jeff Boisvert, le chanteur, et aussi avec Simon, un des deux guitaristes. Comment ça va les boys? Ça va excellent. À Québec, c'est frais. À part le fait que je suis là, ça va bien, ouais? Ouais, ça va très bien. Ça va très, très bien. Hey, les boys, vous avez un nouveau band. Toi, tu étais dans Forbidden Sin avant. T'as aussi l'autre guitariste qui était dans Forbidden Sin, ouais, right? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes traversé cette gang-là, dans le fond, qui est présentement? Peut-être les présenter aussi. C'est vraiment que on a commencé, moi puis Yann, vraiment quand que Forbidden Sin a cassé, puis on voulait tout aller en direction différente. Je voulais pas m'éloigner trop loin de Yann. J'adore ses mélodies et la façon qu'il joue. Mm-hmm. Donc je voulais absolument qu'il soit dans un band plus heavy, moins thrash, plus hardcore, okay, dans le fond. Et Simon, quand que Simon est rentré, on a vraiment commencé à trouver notre son. Ouais, en gros, je suis rentré, ça fait peut-être 6 mois, on a travaillé sur notre projet. Puis plus que ça a avancé, justement, on a ajouté des nouveaux membres, on a trouvé qu'est-ce qu'on voulait faire, quel genre qu'on voulait être. Mm-hmm. Puis écoute, depuis les peut-être 3 derniers mois, là, ça roule tellement. Bon, ouais, on roule, on a une chimie incroyable que j'ai jamais vu. On a du fun en plus, écoute. Vous avez surtout un style différent. Tu sais, moi je t'ai connu avec Forbidden Sin, qui était beaucoup plus trash. Ce que je trouve intéressant, parce que en fait, vous avez fait une entrevue avec Québec Metal, Alain La Bonté, je te salue d'ailleurs, mon ami. Ce qui était super cool, parce qu'on avait une espèce d'une image complète un peu de ce qui se passait avec le band. Par contre, j'avais une question pour toi, parce que tu as quand même été dans quelques bands dans les dernières années, puis je veux pas que tu apprennes mal ma question. Est-ce que c'est toi qui as peut-être un petit peu trop de drive des fois pour les autres membres, ce qui est une bonne affaire? Ou t'es peut-être juste difficile à vivre un petit peu. Puis c'est même pas un joke que je le dis en réalité. Je pense que c'est une question qui est pertinente. Je suis chanteur, donc c'est sûr que je suis difficile. C'est notre trait. C'est pour ça qu'on est chanteur. On est difficile, on est des gros bébés. C'est pour ça qu'on crie pour la vie, dans le fond. Mais avec les autres bands, c'est vraiment pas ça. C'est juste, comme la vie, on cherche toujours. Moi, je suis un chercheur. Je vais toujours chercher l'autre bord de la clôture, voir si le gazon est vraiment plus vert. Quand je voulais commencer de quoi tout seul, j'ai vraiment dit ok, ça va être mon projet, ça va être mon bébé, et quand le monde embarque, ça va être une famille. C'est sûr. Je voulais plus que ça soit une famille. Avec Forbidden Sin, à la fin, je trouvais qu'on faisait juste jouer. Mm-hmm. C'était pas vraiment une famille, on se tenait même plus ensemble quasiment. Avec Born Broken, c'était une très bonne famille, c'était juste pas mon style. Okay. Vraiment, ça c'est le style de mon rêve, là. C'est vraiment ça que je visais tout le long. Avec Forbidden Sin, c'est ça que je voulais faire. C'est pour ça qu'on avait du thrash hardcore. Mm-hmm. C'est moi qui étais le hardcore. Okay. Donc, j'ai vraiment trouvé mon niche avec Born Broken. Et quand j'ai su ça, j'ai fait ok, je vais faire mon propre
projet. Mais justement, avant de passer aux guitares, je voulais te poser une question parce que vous l'avez connu avec Forbidden Sin où il y avait un vocal complètement différent. Si vous n'avez pas encore entendu de Cycle, leur premier extrait, même tu as changé complètement ton vocal. Est-ce que tu as eu quelqu'un, soit une influence, quelqu'un qui t'a aidé à le faire directement, ou bien ça a été quoi un petit peu la transformation? Parce que c'est quand même pas si facile que ça. Non, c'est vraiment, vraiment pas facile du tout. C'est vraiment en rentrant avec Born Broken que j'ai su que j'avais pas mal plus de range que je pensais. J'avais toujours ces commentaires-là avec Forbidden Sin que ton range est incroyable. Yeah. Pour du thrash, ça avait pas de sens. Mm. Aussitôt qu'eux, ils ont vraiment poussé. Steve Burns, c'est un des gars. Steve, merci. Il a vraiment, vraiment poussé pour que je sois le plus heavy, le plus. Il m'a montré, lui, Mike Decker, m'a montré plein de bands que j'ai jamais connues, j'ai jamais vraiment écoutées. Ça m'a vraiment poussé à évoluer dans mes vocales. J'ai pris beaucoup de training, j'ai fait beaucoup de respiration, j'ai changé complètement. Okay. C'est vraiment. Le thrash, c'est peut-être les voix que j'aimais pas dans le thrash. C'est pour ça que j'aimais m'éloigner de ce style-là. Les voix, je trouve que c'est répétitif un peu. Ce qui n'empêcherait pas d'en avoir une éventuellement, une tune un petit peu plus trash justement dans le prochain bon. Je suis capable. Ouais, c'est ça. Aussi, mon range est rendu assez large qu'on a le choix. On a beaucoup de choix dans nos tunes. Donc eux, ils peuvent dire « va, aïe ». Puis je peux le faire. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui peuvent dans le hardcore. Même encore, encore quand on travaille des tunes, on compose des tunes. Je veux dire, d'une tune à l'autre, il peut vraiment changer sa voix. Donc, à un certain point, une tune peut sonner complètement différente et plus être. On reste pas stagné à un seul style. Okay. C'est justement ce qu'on essaye d'éviter. Mais justement, qu'est-ce qui va se passer dans le fond? Ça sort quand le EP? On aimerait ça janvier-février 2016. Combien de tunes? On aimerait ça 4, mais on va peut-être en faire 5. On n'est pas sûr encore. T'aurais dû dire. On aimerait ouais. ça 5, ouais. mais ça va sûrement être 4. Moi, j'aimerais ça avoir 4. Juste short and sweet. Les EP, moi, je trouve, j'ai entendu Fred Durst, c'est poche à dire, mais il a dit la future, c'est des EP. On va le couper sur le montage. Il a raison, la future, c'est des Absolument. EP. Absolument. Puis personne, plus souvent un peu. C'est ça, on peut en sortir à chaque 6 mois. Mm-hmm. Vous avez un produit nouveau 2 fois par année à la place d'attendre des fois un an et demi. C'est trop long des fois. On a les tunes en réserve des fois pour un an. Mm-hmm. Mais une tune en réserve, tu peux pas la jouer, on la joue plus. On dirait que le band évolue pas en tout pendant un an. Là, ça sort, hey, wow, ils ont évolué. À la place, nous, on veut le montrer. Mm-hmm. On veut montrer étape par étape comment qu'on grandit dans la scène musicale. Okay. À cette façon-là, à chaque 4 tunes, on va vraiment montrer comment que le band a évolué musicalement et la voix aussi avec la band. On j'en disais tantôt que toi avec Yann, vous avez eu une espèce de période d'adaptation au niveau de la guitare. Mais j'ai peut-être une question plate un peu, mais c'était pas comme un petit peu d'essayer de condenser quelque chose. Puis là, je parle pas du résultat de ce que ça a donné, mais essayer de condenser deux styles qui vont peut-être pas ensemble, parce que je vous connais pas en tant que personnellement en tant que guitariste. Mais est-ce que tu penses que ça peut marcher pour le futur? Définitivement. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, t'as raison dans le sens que oui, Yann a un style très rock, très mélodique, et moi j'ai un style complètement autre, j'ai un style très groove et très, très heavy, à un certain point core que Jeff et gent, et parfois gent aussi. Fait que tu vois, non, c'est deux styles qui sont complètement différents, deux styles, ouais. Puis, écoute, au début, justement, moi, j'écoutais ce que Yann apportait, puis Yann écoutait ce que j'apportais, puis les deux, on n'était pas sûrs parce qu'on n'est pas habitués. Tu sais, mettons dans Forbidden Sin, ils faisaient du trash, fait qu'ils font du trash. Tu peux pas vraiment sortir de ça. Fait que là, on arrive avec nos influences qui sont complètement opposées, puis on a appris à travailler ensemble, puis ça a pris peut-être un mois et demi avec le changement avec des échanges de tunes. Beaucoup de fois, oui, on s'est échangé des tunes. Simon, il aimait un style, il montrait 14 tunes de ce style-là. Mais est-ce que vous le faites directement, mettons, dans le local, ou bien ça se fait plus, peut-être plus par email, deux personnes qui s'envoient les trucs? Vraiment les deux. On crée à la maison, on commence le minimum. Okay. Trouve quelque chose de base, vraiment de base, le plus petit que tu peux. Et là, le reste, on l'évolue. Okay. On l'évolue ensemble. À la place de Forbidden Sin, je trouvais que oui, Yann ou soit Vince, les guitaristes, ou JD, le bassiste, show up avec le riff au complet. C'est vraiment One Direction. Il n'y a pas vraiment de... Donc, ça ressemble à du One Direction, votre... Tu peux pas l'évoluer. C'est vraiment... Le gars, il a vraiment fait d'A à Z jusqu'au chorus, jusqu'au breakdown, jusqu'à... C'est vraiment trop concret. Là, tout le monde dans le band, vraiment, on parle beaucoup.
c'est un des bands que j'ai eu qu'on parle le plus. Tout le monde a une opinion. Tout le monde dans le band est important. On est tous à 100%. Vous en avez-vous une opinion? De Cycle, j'ai beaucoup aimé de Cycle parce que, comme vous allez voir, il y a le côté mélodique puis le côté groovy, puis c'est comme plus un peu du deathcore, ben pas du deathcore, mais du death avec une espèce d'influence de core. Par contre, c'est-tu juste moi, ben la tune de Cycle avec un petit peu plus de BPM, juste un petit peu plus de vitesse, oui. Elle avait eu plus de mordant. Oui. OK, parce qu'à un moment donné, on dirait que ça devient long. Oui. Okay. Oui, on est d'accord. C'est pour donner plus un effet live. Live, on voulait jouer la toune pour montrer. Un EP, dans le fond, c'est notre CV, right? Okay. On n'est pas signé. Ouais. So, on voulait montrer le talent des joueurs de musique et le talent de la voix aussi. Okay. Mais live, vous allez voir, ça bouge. Oui. Ça bouge. On l'augmente exprès. On l'augmente exprès. Mais si, mettons, on se fie sur cette toune-là par rapport aux autres 4, peut-être 5 tounes qui vont être faites, est-ce que les autres sont un petit peu plus. Est-ce qu'ils sont plus rapides? Je vais juste en parler rapidement. Je te dirais que il y en a peut-être une autre qui est dans la même vitesse, dans le même genre de vitesse. Les deux autres sont un peu plus rapides. Justement, on a vu quand on est allé enregistrer The Cycle. On l'a réécouté après, on était comme, OK, c'est ça que ça sonne pour vrai. OK, bon, ben il faut qu'on fasse plus, faut qu'on change tel truc. Donc, à partir de maintenant, on a déjà eu un comeback, un assez bon comeback, des gens qui l'ont entendu. On va s'ajuster définitivement. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'aime qu'on a toute une opinion. On évolue tellement vite, c'est ridicule. Avec deux personnes qui lead le band, t'évolues à vitesse de deux personnes avec cinq personnes dans un band, ça va. C'est fou. On dirait. Ramener les trois autres à chaque fois, OK, à mon niveau, OK, là, t'es à mon niveau, OK, là, c'est long. Là, avec nous, on rentre, ça prend un mois pour faire une tourne au complet parce qu'on se comprend. On comprend le style, on comprend où c'est qu'on s'en va. Plus le temps avance, bon, ça prend le temps. Tu sais, des fois, ça peut arriver, justement, comme notre dernière, on est en train de travailler. On est arrivé, je pense, on est arrivé avec une idée, on a jamais un peu dessus, ça a pris deux semaines. Puis écoute, la structure était là au complet, c'était juste de fignoler des petits détails à gauche à droite. En parlant de détails, est-ce qu'on peut, pensant pas de suite, est-ce qu'on peut annoncer le premier show? Ouais. OK, parfait. Avant de le faire, vous naviguez présentement dans la scène métal montréalaise. Il y a 12 bandes métal au kilomètre carré à Montréal. Et en réalité, c'est une bonne affaire, c'est pas une mauvaise affaire, mais il y a quand même une compétition qui est incroyable. Comment vous trouvez ça? Parce que vous êtes comme pas de la même nécessairement génération, dans le sens que je pense que tu as plus d'expérience dans la scène. Mm-hmm. Comment vous trouvez ça? Moi, j'adore ça. Tu le sais, Dave, tu souris déjà, je le sais, j'adore ça. Un challenge à Montréal, oui, on a, un band pour à chaque 12 pieds, comme tu dis. Mais il faut éliminer à peu près 6 pieds de ça. C'est des bands que, sérieux, c'est du drinking puis c'est du niaisage. On est sérieux, on n'est pas là pour rester à Montréal. Okay. On n'est pas là pour jouer 14 shows par année à Montréal. On part. On est sérieux. C'est un vrai band. C'est pas un band de high school. C'est pas quelque chose qu'on niaise. On est sérieux. Toi, Simon, trouver des shows, tout ça, comment c'est toi? Pour vrai, moi, compétition, moi, je la sens pas. Okay. Parce que pas que ça m'intéresse pas, ce genre de truc-là, mais je veux dire, si quelqu'un aime ce qu'on fait, ben, il va venir nous voir. Si quelqu'un aime pas ce qu'on fait, il viendra pas nous voir. Puis écoute, tous les goûts sont dans la nature, c'est pas vrai que je vais forcer quelqu'un à écouter notre musique parce que je veux avoir plus de gens dans nos shows. Et si t'aimes ça, ben Chris, merci. Mais oui, vous êtes là pour l'argent, on s'entend, c'est assez évident. Vous êtes là pour être riche, on s'entend. Come on. On sait tous que les bandes de metal sont loaded. Là. Premier show, ça va être quand? Le 13 février, notre premier show avec Vendetta Marketing Management. Nice. On a eu ça hier. Ça fait peut-être 5 ou 6 shows que je refuse de cette compagnie-là et je suis plus capable. Faut vraiment qu'on... Je suis plus capable. Je vais enlever de mes pattes. Dave, il me connaît. Faut que je sois sur scène. Je peux pas rester dans une salle de pratique tout le long. Je vais exploser. Donc, c'est vraiment que... On a décidé qu'on est assez loin dans les compos qu'on peut sortir même l'album et tout faire avant le 13 février. Donc, le 13 février, on va vous donner plus d'informations. J'ai pas toutes les bandes encore. Mais ça s'en vient, ça va être à l'hémisphère gauche. Malade. Fais-tu frais à Québec, man? Hey, les boys, merci beaucoup d'être venus. C'est vraiment super gentil, man. Merci, puis, Dave. Les boys, on devrait s'en voir dans pas long. Je vais essayer de faire d'autres entrevues. Mais sinon, merci beaucoup d'avoir été sur On Choc. Puis venez donc nous voir chez Creative Custom Tattoo. Puis merci à Raph derrière la caméra. Yeah! Fucking A, notre bassiste.